Ou aujourd'hui dans le Bitcoin, now it's time, comme diraient les influenceurs anglais. On a breakout ce gros range à la hausse et théoriquement, c'est très bullish pour la suite. Alors faites gaffe parce qu'absolument tout le monde parle de ce range puisqu'il est très propre, c'est ultra propre. Trop propre pour être, on va dire, vrai. Cependant, on peut quand même prendre des trades, on va dire, généreux vu que là, on prend la hauteur de ce range pour la première target. Ici, hop. Et le premier TP donc de ce trade, ça se passe ici autour des 30 282 $. Donc ça, c'est la TP 1. Et la TP 2 que tout le monde connaît, c'est ce bull flag, ce fameux range bull flag. On prend la hauteur, ici le bottom. On fait un clone, 3 points clonés, et on met ça sur le bottom. Et on serait sur un 38 938 $. Donc très important de prendre son premier TP ici parce que c'est pas sûr qu'on atteigne cette target. Et si on prend ici par exemple 50% et 50% ici, eh bien on sera très content. Et si on prend 50% ici et que le prix ensuite, hop, se pète la gueule, eh bien on sera très content aussi. Pourquoi? Parce qu'on a pris 50% sur la TP1. On a également breakout sur le RSI, ce qui est magnifique. Le RSI qui a une plus grosse résistance que ce range sur l'action price, vu que là, ça date de plus ou moins le 15 janvier 2023 qu'on est en train de descendre ici et qu'on a officiellement breakout, alors que là, ça fait que depuis plus ou moins le 13 avril qu'on se fait rejeter par cette résistance. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rentrer maintenant, ça vaut plus trop la peine. Il fallait prendre ce trade en fort hour candle parce qu'en daily, eh bien la première target, si on prend ici par exemple, hier soir à minuit ou à 1h, peu importe, eh bien on serait sur un... Ah non, si, c'était un trade intéressant, encore 1,87, la target 1. Donc éventuellement, si on reteste aujourd'hui ou demain, peu importe, avant d'atteindre cette target, peut-être un truc comme ça, hop, machin, et ensuite on atteint cette fameuse target, pourquoi pas rentrer ici. Mais rentrer sur le prix actuel, on serait sur un 0,92, ce qui est pas intéressant comme risque-récompense. Également, chose très intéressante, les mineurs, le prix de production du Bitcoin est pour l'instant plus élevé que le prix du Bitcoin lui-même, ce qui est pas très avantageux pour les mineurs. Mais ce qui est bon pour les possesseurs de Bitcoin, pourquoi? Parce qu'en général, les zones où on est plus ou moins sur le même niveau prix du Bitcoin et prix du mining, c'est les zones d'accumulation. Et les zones de prise de profit, c'est quand le prix du Bitcoin pump et que le prix du mining reste plutôt bas. Chez les traders option, la prochaine grosse expiration, ça sera le 23 juin, ça sera vendredi. Le max pain price est pour l'instant à 26 000 $ et on est sur du 1 milliard 100 millions, un délire comme ça, 700 millions plus 400 millions. 26 000 $, c'est plus ou moins ce niveau-là. Et donc, pas mal de traders option en PLS si vendredi matin, vers 9h, on sera sur ce niveau des 26 000. Bien sûr, ce prix peut évoluer d'ici vendredi, donc n'hésitez pas à regarder ici le max pain price du 23 juin. Demain, peut-être, ce sera 27 000, on verra bien. Mais si vendredi matin, ou je dirais jeudi soir, on sera toujours sur du 26 000, faites quand même un peu gaffe, les boules. Bonne nouvelle également, il y a tous les gaps CME qui ont été remplis. Le dernier qu'on a là date du plus ou moins le 8 mai, ça fait plus d'un mois. Et on l'a rempli maintenant il y a quelques heures, donc ça c'est positif. Les institutionnels sont contents. Les gaps c'est quoi? C'est les week-ends quand les marchés sont fermés, sauf ceux du Bitcoin. Et du coup les gros ne peuvent pas trader et donc loupent des entrées de long ou de short. Et s'ils loupent ces entrées, ils vont tout faire pour retourner vers ces entrées afin de prendre une entrée optimale, longue ou short. Niveau sélection naturelle, hier on était très proche de ce gros pic de sélection. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est monté, là où il n'y a que dalle à bouffer. Donc aucun indicateur est sans faille. Et ici, même si on est monté, pour l'instant, pas grand-chose à la hausse à bouffer. Et on reste quand même sur des niveaux intéressants, autour des 26 641 $. Ce qu'on a vu avant, c'était les traders futurs avec levier. Mais ce qui a plus de puissance sur le marché, ce qui fait vraiment le prix, ce sont les spots. Et les spots, c'est ce qu'on voit ici. C'est les petits acheteurs, les gros acheteurs, les gros vendeurs, les petits vendeurs. Et là, on peut voir que plus ou moins depuis le 16 juin, il y a pas mal de whales qui achètent, également pas mal de dauphins. Et ceux qui ont acheté avec les whales et les dauphins, c'est-à-dire les marrons et les violets, pour l'instant, ils se mettent bien. Et on voit également que pour l'instant, ils ne vendent pas, ils continuent à accumuler. Tout ce qui est sélection naturelle, c'est bien quand il n'y a pas d'accumulation ou quand il y a de la vente, quand les spots ne sont pas trop actifs. Dans ce cas, c'est place aux spéculateurs. Mais quand les spots sont actifs et même très bullish, et bien dans ce cas, tout ce qui est spéculation, tout ce qui est produits dérivés, ça marche pas très bien. Sur Binance, également en spot, on peut voir qu'on avait pas mal d'ordres dans cette zone-là. Et souvent, l'action price aime bien bouffer les ordres avant de prendre une décision. Ici, pas mal d'ordres, j'ai mis en rouge, il a tout pris. Ici, pas mal d'ordres, il a pumpé un peu avant de tout prendre. Et on avait pas mal d'ordres également dans cette zone-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On est monté et les ordres ont disparu progressivement. Ce qui est plutôt bullish parce qu'ils sont placés plus haut. Donc ce qu'on veut en spot, ce sont des pumps avec les ordres qui montent, qui grimpent avec le prix. Ce qu'on veut pas, c'est des ordres comme ça qui restent
le prix qui monte, mais les ordres qui suivent pas. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Bah, les ordres restent, beaucoup de nourriture, et ensuite, on prend tout, tout simplement. Dans la description de vidéo, vous avez jusqu'à 43 500 $ à recevoir sur les plus gros exchanges, sur Bybit, sur BitGet, sur BingX et sur Binance. Alors, sur BitGet, vous avez des bonus qui sont plus facilement accessibles que sur Bybit, pour ceux qui sont intéressés. Mais les frais de trading sont légèrement plus élevés sur BitGet que sur Bybit. Donc pour les plus petits traders, c'est bien BitGet. Pour les plus gros, c'est bien Bybit. Pour ceux qui veulent trader les marchés traditionnels à partir de vos USDT, vous avez BingX. Et sinon, bah le plus populaire, le numéro 1, c'est Binance, sur lequel vous avez jusqu'à 500 $ avec mon lien partenaire. Tapez dedans. On va passer au round Ethereum qui galère un peu à péter ce range, contrairement au Bitcoin. On a quand même réussi à bien rebondir sur ce gros support qu'on a vu ensemble avec pas mal de retests et une fois plus on se fait rejeter ici à la hausse. Pour ceux qui pensent avoir loupé le train Bitcoin, est-ce qu'il faut investir dans l'Ethereum? Si la Bitcoin dominance explose totalement, c'est pas forcément garanti que le Ethereum va également exploser. On va vérifier ça ensemble, mais je pense que c'est en train d'exploser et en effet c'est en train de pump to the moon. Depuis le 6 juin, ça fait qu'exploser à la hausse et on peut même en dirait dessiner une sorte de bull flag. D'accord, là on est sur une sorte de bull flag comme ça. Et la target, si on prend la hauteur du truc, on met sur le bottom. Pour l'instant, ça se passe autour des 54% de dominance et la target n'a pas encore été atteinte. En tout cas, selon ce bull flag. Et on peut voir que précédemment, les bull flags ont plutôt bien fonctionné. Il suffit de voir ici, bull flag, hop, sur le bottom, on a atteint. Bull flag également ici, on prend cette hauteur-là, on met sur le bottom. Ça a été atteint. Et sinon, niveau altcoin, c'est pas forcément ultra pratique d'en posséder pour l'instant parce que alors, soit il pump, mais pas autant que le Bitcoin, soit il dump carrément. Long short ratio sur le Ethereum, sur Binance, on est sur du 52-53% de shorter. Donc, pour équilibrer ça, il faut liquider du shorter et donc pumper un peu en une heure. Encore plus de shorter en une heure, donc je m'attends un peu à quelques pumps sur le Ethereum en 30 minutes. 30 minutes encore plus, donc Ethereum. On retourne sur l'Ethereum. Bon, là, en 4 heures, je pense que le pump, du coup, n'est pas terminé. Mais est-ce qu'il faut rentrer maintenant? En tout cas, en 4 heures, le stop loss est trop éloigné. Il faut le mettre ici. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, on va dire. Pour les scalpers, pourquoi pas? 15 minutes. Là, on a des petits ranges qui commencent à se former. Mais en 1 heure et plus, un peu risqué. Mais en vrai, là, en scalping, ça peut être plutôt intéressant. On est sur une tendance haussière. Entre les MA20 et les MA50. On a des divergences boules qui sont en train de se former. Hop, là, ça descend alors que là, ça monte. D'accord, là on peut trouver des entrées optimales pour aller encore plus to the moon, en tout cas en 15 minutes. On va passer sur le Amazon de Jeff Bezos qu'on peut trader à partir de USDT sur BingX. Et pour l'instant on peut voir que la tendance est totalement haussière. On est même un peu, selon moi, en surachat vu qu'on quitte totalement les MA20. Normalement on reteste les MA20 régulièrement et là c'est plus trop le cas. Ce qui serait bien ici c'est par exemple, hop, on reteste les MA20, voire même on va entre les MA20 et les MA50 ici. Divergence boule et on continue à monter. Mais là... au moins retester un petit peu les MA20 histoire de trouver un support solide. On risque même d'avoir peut-être une correction un peu moyen terme parce qu'on reteste pas mal de fois ce support. Si on pète ce truc à la baisse sur le RSI, eh bien, hop, ça se transforme en résistance pour descendre toujours plus. Et donc là, on peut éventuellement tenter un short si on pète ce truc à la baisse. On prend ici le bottom, le top, 0.618, plus ou moins ici dans cette zone, 111.45. On met plus ou moins l'entrée dans cette zone. On attend une sorte de tige qui teste ce niveau d'entrée avant de shorter. On met le stop loss sur le top. Target. On serait sur un 3.28. Un peu risqué. 2.25 maximum. Un truc comme ça, ce serait pas mal. 2.33. On a également le choppiness qui est très chargé. Donc, volatilité à venir, soit la hausse, soit la baisse. Si on pète ce truc à la baisse, eh bien, selon moi, volatilité à la baisse. Le dollar index, le The Evil Side of the Bitcoin, est en train de rebondir sur la zone. On a vu depuis pas mal de temps, puisque sur le RSI, pas mal de supports, une fois, deux fois, trois fois, on compte même plus. On a retesté ici et pile poil ici, on s'est rejeté à la hausse. Sur l'action price, c'est quoi? C'est pile poil la zone du hasard sur le Fibonacci et hop, on s'est rejeté à la hausse. Alors, première résistance 0,3 et 2, prenez un petit TP, 30% environ, pas énormément. Et ensuite, le reste, on peut laisser tout de moon. Faites gaffe parce que si ça va tout de moon, si on pète les MA200 sur tout ce truc-là, eh bien... la tendance pourrait nous être haussière et ça serait pas très bon pour le Bitcoin. D'ailleurs, on est sur un très gros ABCD spécial go. C'est bon. La première target a été atteinte pile poil ici. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.